Je sais que je l'ai jamais fait, mais c'est à ce salon, j'ai manqué le respect sur cette église-là. Je demande pardon et j'ai un peu la peine que je n'étais pas informé de si j'avais su qu'on avait pris en Israël, ben j'aurais pris en Israël pour son enterrement. Il y a la somme, je dis Nishmato, Bédan, 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 Bédan. Zachou Barou, on va demander au Rav Choua Lazimov. כל כך פעמים דוח מאמר שהתחלתי אותו כבלי קונצר קרקת רחבי חוש וכל מאמר תמודד שבאסית אדיר כרחמו תעבור שהכוזן שוב tout la famille, tous les amis, et surtout tous les élèves de Petit-Trac qui sont venus pour le chlochim de maintenant. La Bible dit toujours « Achad yit n'alibé » Il va toujours prendre l'enseignement comme des cas pareils. La Rebbe l'a dit, va prendre l'enseignement la personne qui l'a quitté, que nous, on va aller dans ce chemin, à faire vivre le libre. Et comme la Rebbe l'a dit beaucoup de fois, c'est pas dans ma chambre, pas dans le bibou, mais mal de pépé, il peut prendre l'enseignement dans mal de pépé dans cette réunion qu'on s'est réunis pour le livre. On a parlé jusqu'à maintenant, et surtout les vidéos, la montrer, la grandeur, comment c'était mon nom. Mais on ne va pas citer maintenant, j'ai parlé beaucoup de fois avec lui, il m'a dit beaucoup de choses, je vous dis ici qu'on va prendre beaucoup d'enseignements d'un vieux chassid qui doit quitter et pour les enfants et pour les petits-enfants, c'est la père et la grand-père et la arrière. Mais si on veut concrétiser dans quelques mots la grandeur de mon oncle, on a parlé beaucoup de messieurs Neves qu'il a eu aussi. Pas moins de messieurs Neves qu'il a eu aussi pendant les 50 ans qu'il a dirigé les titres. Pas moins de messieurs Neves qu'il a donné pour avoir tellement une très bonne famille, une belle famille qui va dans le chemin
Et ça, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Ça doit venir avec beaucoup d'hommes sur le navet. Mais en quelques mots, si on veut prendre ce mot, qu'est-ce que c'était Abgouravich? C'est comme le rabbin dit dans le Sikha. Le rabbin demande dans le Sikha. Pourquoi Dieu il a fait que Yitzhak va naître un père de 100 ans, chez une mère de 90? Pourquoi il n'a pas pu être né Yitzhak normal? Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. La Rebbe répond à quelque chose. Très profond, que le peuple juif doit savoir qu'ils ne sont pas quelque chose de logique, c'est pas quelque chose de terre à terre, c'est quelque chose qui le mal de terre à terre. Toute l'existence du peuple juif, c'est pas quelque chose qui est terre. La même chose. Si on va regarder mon oncle de 800 ans, et après qu'il est venu à Paris, après le 2 ans qu'il est resté en prison, après son mariage, ça veut dire que toute son existence, c'était miraculeux. C'était pas quelque chose de terre à terre. Depuis son jeune âge, c'était toujours qu'il a vu qu'il y en a quelque chose, la marme de la terre. Et c'est pour ça qu'il a pu prendre un foyer. Pour ça qu'il a pu s'occuper de Petritka. Parce que depuis son jeune âge, quand il était prisonné, la première fois à Paris, chef, s'il ne sortit de prison, c'est déjà miracle. S'il est passé le moment dur, c'est miracle. C'était quelque chose de très miraculeux. Pour ça, c'est jeune qui sont pris à Petitka, qui sont en train de prendre à Petitka. Nous tous, quand tous venus pour s'en être, pour réfléchir, pour apprendre ces mots, qu'on doit savoir que même qu'on est dans la terre, il faut qu'on sache qu'il y en a quelque chose qui est mal de la terre, dans la terre. Chacun, parmi nous, il doit savoir. Je vais seulement dire un petit détail. Je ne sais pas si les enfants le savent. Lui, il m'a dit que quand il était en Russie, en 1945, il a pu envoyer une lettre à le président qui se trouvait en Afrique. C'était un miracle. Il m'a dit aussi que le président l'a répondu dans un cadre postal sur toutes les questions qu'il a demandées. Ça veut dire, si on va réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire en 1945, par sa manquante, personne ne pourrait imaginer, c'est une chose possible. Mais là, là c'était mon homme qui l'a su,
qui n'est pas perdu le basé sur le mémoire. Le mémoire est d'arrêt. Mais je vais terminer avec une petite histoire de Rabbi. Et chacun est pour apprendre l'enseignement de cette histoire. Et comme il le déclare, le déclare, c'est simplement ces quatre choses que chacun est pour apprendre l'enseignement. Il y avait une fois en Amérique, il y avait une femme qui l'avait très loin du judaïsme. Elle n'a pas voulu allumer le bougie de Shabbat. La reine l'a demandé à des différentes personnes qui vont aller le voir, qui vont essayer de le convaincre, qui va allumer, qui va commencer à allumer le bougie de Shabbat. Malheureusement, tout le monde qui sont passés, ils n'ont pas arrivé au résultat. Et chaque fois, la personne, ils ont dit au rabbi, le rabbi n'a pas dit qu'il faut laisser la personne. Le rabbi a dit qu'il faut envoyer une autre personne. Le rabbi n'a pas voulu lâcher la personne en question. Un jour, je ne sais pas après combien de questions, on a arrivé à le faire allumer le bougie de Shabbat. On a et malheureusement, je ne sais pas qui c'était la femme, malheureusement, après la réponse, et la personne a dit au rabbi comme ça. D'abord, on a eu un mal fou de le faire convaincre. Après qu'on a convaincu, c'était pour une fois. Dans ce cas, pourquoi on a eu besoin tellement de dépenser d'énergie? La personne a demandé au rabbi. Je ne sais pas si c'était un homme, si c'était une femme, je pense que c'était une femme. La rabbi l'a entendu comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer quel nageoire Dieu l'a eu quand il a donné le bouger de Shabbat, même une fois. Vous ne pouvez pas imaginer le grand Nahadoua. Ça veut dire que Nahadoua, on ne peut pas comprendre dans cette même frère de pensée. Tellement de dangers, tellement de voix, c'est quelque chose qui ne fait pas. C'est ça que je veux dire. Maintenant, c'est l'affaire à Dieu beaucoup. Mais Nahadoua, comme il a éduqué des centaines de centaines, des petits juifs, des familles, les enfants, les petits-enfants, on ne peut pas s'imaginer le grand Nahadoua que Dieu a eu. Dans ce cas-là, Baha dit que pour la prendre son quand on a fait le bâtiment, même de voir un bon, que la pas, il faut retourner, il faut aller. Dans ce cas, on a trouvé certain, et mon homme qui se trouve à côté de Rabbi, Bon,
of doing it, but après, ça a été vrai, il dit, à Charles, il disait, il n'y a plus là, qu'il y a très peu de mort, on y va. La coude a été mort, et la rêve est tout mort, il va prendre. Amen.